C'est l'aventure d'un soir, une formalité pour ceux qui pratiquent rodés par les bavures. En tout genre, au final, ça a payé. Une expérience comme une mûrie de l'ensemble d'idées. Une quête fertile de rêve au service d'une cause unique. Il a fallu du temps, du travail sans relâche, de la patience. Et pour garder le moral, on s'encourage en chantant. En route pour l'aventure, en route pour l'aventure, en route pour l'aventure, en route pour l'aventure. Il est H, c'est la Luhaine, je m'en rendez-vous dans les couloirs, on déambule la nuit, à nous. Veux-tu en tenue camouflage, aux ombres sont indicibles. C'est bien le proverbe qui dit que la nuit, tous les chiens sont pris en son fil, en file indienne, rasant les murs en silence. Et pour donner du courage, on avance en chantant. En route pour l'aventure, en route pour l'aventure, en route pour l'aventure, en route pour l'aventure. Je jette un regard à droite, un regard à gauche. Il serait dommage de se faire repérer. Le moral à bloc, la victoire comme moteur. Il suffira de plus d'un obstacle pour calmer nos ardeurs. Donc les gars, j'y crois en ton imbri. Et pour aller plus loin, il faudra que nos pas résonnent comme un silence. La victoire est proche, l'émotion me gagne. Sortez les cours dans le ferraille, les bouteilles, le champagne. Même toutes ces heures d'école nous parlent, ils savent nous engourdir. Une mission réussie de plus à mettre à notre actif. Et parmi ces joies infinies, qui sera le premier qui va poser la main sur la poignée du dortoir, mes filles. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais arrêtez-le! Ma bite s'appelle Julien. Alors voilà, monsieur Hur, monsieur Delec, vous savez pourquoi vous êtes convoqué. Ne me prenez pas pour une bille. Vous avez une attitude de Jean-Foutre, hein, oui, tous les deux, qui nuit gravement à la réputation de notre école. Je ne veux pas savoir ce que vous conservez dans votre casier, mais c'est plus possible. Hein. Ça nuit à tout le monde, à l'infirmerie on s'est plaint. Ça sent le jeune clochard. Hein. Et puis ça ne m'amuse pas non plus d'expliquer aux parents de la petite Agathe que son système pile va repousser, que ses pertes sont tout à fait normales. Hein. Donc votre attitude de branle-bourse vous conduit à un suicide scolaire. Hein. Et c'est important de prendre... Non mais je sais que c'est vous, arrêtez! Non mais ne me prenez pas pour une buse!